Bonjour. Avez-vous remarqué, il se passe un truc dans les collèges. Les élèves se sont mis à discuter autrement. Maintenant, c'est sexisme, politique ou encore terrorisme. Et tu penses que l'annulation des volets économiques du traité de Lisbonne, ce serait une bonne idée pour relancer l'économie? Enfin, par exemple, avec la création de nouveaux capitaux. C'est vrai que la réhabilitation des banques centrales, ce serait déjà un bon début. Dites les gars, vous avez un goûter? Hallucinant, non? Mais pourquoi? Pourquoi un tel changement de comportement? Laissez-moi vous expliquer. Tout vient de Stéréo. C'est un dispositif numérique. Un jeu dont l'objectif est de battre l'équipe adverse en débattant. Pour gagner, il faut avoir les meilleurs arguments et convaincre le public. Ah, tiens, ils viennent de finir un tour. Donc c'est au public de voter en applaudissant. Et c'est l'équipe troll qui l'emporte! Un peu de sérieux. Donc, Stéréo, c'est pour encourager les jeunes à débattre. En s'amusant, ils jouent et doivent remporter des manches en étant convaincants. Et c'est un système numérique plutôt innovant. Ils projettent leurs arguments à la vue de tout le monde avec des cartes. Eh oui! Parce que oui, Stéréo veut apporter une réflexion autour de sujets d'actualité. Le sexisme, par exemple. Alors, si un matin, vos enfants vous demandent si la loi est un obstacle ou une condition de la liberté, ne soyez pas surpris. Prenez juste le temps de les écouter et de discuter avec eux. Ils ne demandent que ça.